Un jour, il y a environ 2000 ans, un ange nommé Gabriel est apparu à une jeune femme qui lui a dit: tu auras un fils et tu nommeras Jésus. La servante des seigneurs. Joseph, à qui était fiancé, était un homme juste et ne voulait pas la déshonorer publiquement. Il a décidé donc de rompre les fiançailles discrètement. Comme il est pensé, un ange des seigneurs lui apparut. Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre sur la vie pour épouse, car la femme qui est ta mère a été conçue par la puissance. Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son corps de ses péchés. Quand Joseph s'est réveillé, il a fait ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Marie et Joseph vivaient dans une ville appelée Nazareth. Ils se sont rendus dans la ville de Bethléem pour s'inscrire à un recensement ordonné par l'empereur romain, César Auguste. Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem. Joseph chercha un endroit où rester. Mais toutes les héberges étaient déjà pleines. Ils ont fini par passer la nuit dans l'étable. Mais cette nuit-là, Jésus est né. Il n'y a pas de Jésus dans une crèche. Il y avait des bergers qui étaient dans un champ près de Bethléem, gardant leur troupeau de moutons. Et voici, l'ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Elles furent saisies d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, car je vous annonce une grande nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la vie de David que vous verrez un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous me reconnaîtrez. Vous trouvez un enfant emmailloté. Les bergers se précipitèrent à Bethléem et ont vu Jésus dans la crèche, comme l'ange le leur avait dit. Quelque temps plus tard, trois sages des pieds de l'Est virent une étoile très brillante dans le ciel où on décidait de le suivre. Ils ont apporté à Jésus des cadeaux. Et se sont tous inclinés devant le roi des rois.
Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils, elle lui nommera son nom, elle en donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Matthieu 1:20. Thank you. Put hands together for all our Kids Church ministry, all the ladies helping. God bless you. God bless you. You are going to stand with me, and we are going to sing. Vous allez vous lever, et nous allons chanter un chant de Noël. Ça peut pas passer comme ça. C'est que vous avez examen, vous ne pensez pas à ça. Mais c'est important quand même de chanter un chant de Noël. C'est ça, non? Voilà. Donc on va chanter un chant de Noël. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous avez connaissé ça, non? In excelsis. What is it? Give me Ray.